Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Eh bien, ça va être un unboxing de la collection Razer en collab avec Sunrio. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais je pouvais pas parce que j'avais pas reçu le casque. Et oui, j'ai mon casque Shala de la même marque, d'ailleurs de la marque Razer. Mais vous allez voir, eh bien, on va unboxer un nouveau casque et je pense qu'il va être juste incroyable. Si tu passes par ici et que t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des petits pouces bleus et tout de suite, eh bien, c'est parti pour l'ouverture. Ok, on est parti, j'ai plein de choses à ouvrir, ça va être incroyable, franchement, ça fait tellement longtemps que j'attends de faire cette vidéo et d'ouvrir surtout, et bien tout ça parce que j'ai rien, absolument rien ouvert, j'ai même pas regardé, je me suis pas spoil, parce que voilà, j'avais envie vraiment de découvrir en même temps que vous dans la vidéo, et du coup, et bien donc j'ai 3 paquets, donc comme vous pouvez le voir, et bien c'est Razer. Razer en plus est une marque que j'adore, vous savez, j'ai le casque, Razer avec les oreilles de chat, j'ai le clavier également, la souris, j'ai une manette aussi, d'ailleurs la manette elle est juste ici, c'est la manette en fait PlayStation, et donc du coup voilà, c'est de la marque aussi Razer, j'adore cette marque, j'ai mon tapis de souris, enfin voilà, j'ai vraiment énormément de choses de cette marque là, c'est une marque que j'adore vraiment vraiment vraiment, et du coup ils ont fait eh bien une collab avec Sunrio, et du coup en fait c'est une collab qui était exclusivement pour la Chine, et j'ai cherché absolument partout où c'est que je pouvais trouver eh bien tout ça, et du coup bah, j'ai réussi et je suis trop 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 contente. Alors on va juste faire attention à ce qu'on va ouvrir, du coup on va ouvrir ce paquet-ci en premier, celui-ci on va le garder pour la fin, et on aura également juste celui-ci, et puis j'ai aussi des pop à vous montrer juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les pop, du coup je peux me faire une collection en fait, je pense Sunrio, et d'ailleurs cette pop là, eh bien c'est une pop Hello Kitty de la collection Sunrio, donc là c'est celle-ci, c'est la Sky, elle est trop jolie, regardez, c'est un Hello Kitty, c'est une Hello Kitty avec un déguisement, et donc elle a une espèce de corne de licorne, et puis bah voilà, elle est trop mignonne, elle a une espèce de, je sais pas, c'est un déguisement ours, avec peut-être des yeux d'insectes, je sais pas trop, en tout cas franchement elle est beaucoup trop mignonne, je sais pas si vous connaissez cette collection là, mais franchement elle est trop jolie, j'en attends d'autres d'ailleurs qui devraient arriver d'ici peu de temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai la Hello Kitty classique, la normale en fait, voilà, Hello Kitty classique, franchement toute simple, mais j'aime trop, je la trouve trop mims, et du coup, bah, comme je vous ai dit, j'avais vraiment envie de m'en faire une petite collection, du coup voilà pour ces deux-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, celle-ci, elle est trop mignonne aussi, regardez, elle tient un petit donuts dans la main, franchement, elle est trop cute, elle existe aussi en version avec un burger, qu'il va falloir absolument que je trouve, pour que je puisse, eh bien, la commander également, et ensuite, pour la dernière pop que j'ai pour l'instant, eh bien c'est la Hello Kitty Pride, et franchement elle est trop jolie, regardez, en fait elle est un peu transparente, je sais pas si vous voyez bien, je veux pas les enlever des boîtes parce que je les garde, il y a certaines pop comme ça quand je les collectionne, et eh bien j'aime bien les garder dans les boîtes, et franchement en fait elle est un espèce de plastique un peu transparent, et donc elle est un peu multicolore, elle est genre couleur rainbow, elle est vraiment trop 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 jolie. Donc voilà pour les petites pop que j'ai commandées récemment, et je vous dis, j'en attends beaucoup, j'en attends vraiment d'autres, du coup bah, je pense qu'à mon avis on se refera un unboxing. Bon, et bien c'est parti, ah là 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 là, depuis le temps vraiment que j'attends d'ouvrir tout ça, c'est juste une dinguerie, mais vous avez vu ça, les packagings en plus, ils sont vraiment vraiment magnifiques. Donc du coup, dans cette boîte là, et bien on va avoir un tapis de souris, et on va avoir une souris également, donc Razer en collab avec et bien Sunrio. Bah c'est parti hein. Je vais essayer de faire hyper attention pour pas abîmer les packaging parce que franchement ils sont trop trop beaux. Et évidemment que je vais les garder. Hein. Ah oui, il y avait un truc qu'on pouvait ici tout simplement. Et bien, hop là, on pouvait en fait tout simplement le découper. C'était prédécoupé en fait. Alors. Ah là, ça c'est le tapis de souris. Oh my god, mais j'ai trop hâte de voir. Oh, oh purée. Oh. Waouh! Waouh! Il est trop beau! Il est trop joli! Regardez-moi ça! Oh, il est magnifique! Avec tous les petits personnages Sunrio qui sont en train de traverser sur un passage piéton. Donc on a Hello Kitty, ça c'est My Melody, Kiki et Lala, ça c'est Kero, ça c'est de la collection de Marty, c'est Pom Pom
Pom-Pom Pourine. Et lui, je sais pas qui c'est d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire qui c'est, je le connais pas en fait. Je le vois à chaque fois évidemment avec tous les personnages Sanrio, mais lui je le connais pas du tout. Donc voilà pour le tapis de souris, franchement il est très 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 beau, la matière elle est top, c'est légère, c'est un peu satiné, franchement ça claque de ouf. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien hop, on va avoir la boîte comme ça. Ok, donc ça c'est le petit fascicule qui explique comment on installe, les petits stickers comme d'habitude Razer. Hop, oh là là, j'ai hâte de la voir la souris parce que je sais qu'elle est très très belle, en photo en tout cas, elle était juste magnifique, je sais pas, ah là là, elle est juste ici, oh, waouh, purée, elle est sublime, elle est vraiment sublime. Ok, donc voilà la souris, je vais vous la montrer bien de plus près. Regardez-moi ça, elle est trop cute avec la tête d'Hello Kitty juste ici. Mais j'ai trop trop hâte de l'installer sur mon setup. Non mais franchement, elle est magnifique. Oh, elle est vraiment vraiment trop jolie. Oh là là, je vous enlève le petit plastique ASMR. Ah là là, c'est tellement satisfaisant. Non mais elle est trop trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez préférer du coup de cette collection que j'ai commentée. Donc pour l'instant, on a là le tapis de souris, on a la souris. Moi franchement, la souris, ah là là, j'avais vraiment trop trop hâte. Je savais qu'elle allait être incroyable, la souris. Mais alors maintenant, on va passer au clavier. Ok, on est parti pour le prochain paquet. Et ben le prochain paquet, c'est le clavier. C'est le clavier, franchement. Alors attendez, je pense que c'est prédécoupé. Ça, on va voir. Ah non, regardez, on peut enlever comme ça. Et ben j'y arrive pas, c'est pas grave. Hop. L'autre côté aussi. J'ai trop hâte de le découvrir parce que franchement, il était juste mais incroyable sur les photos. Hop là. Oh, ah là là. Waouh, oh my god, il est magnifique, il est magnifique, il est un tout petit peu plus petit que celui que j'ai actuellement. Oh, il est vraiment trop trop beau, il est vraiment, ouais, il est juste un tout petit, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ah oui, vous savez quoi, il n'y a pas les chiffres, en fait, il n'y a pas les chiffres juste ici. Mais bon, ça ne me dérange pas du tout, de toute façon j'avais vu qu'il était un petit peu plus petit. Oh, il est juste incroyable, il est magnifique. Je vais enlever le plastique, on va faire un petit peu d'ASMR. Alors attendez. Par où ça... Ah ouais, juste ici. C'est parti. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc là, on a Kiki et Lala. On a Kero qui est juste ici. My Melody. On a Pom Pom Purine avec Hello Kitty. Et regardez sur la petite touche Escape, échappe. Et ben on a le petit nœud d'Hello Kitty. Non, mais c'est vraiment trop, trop, trop mignon. Oh, aïe, aïe, aïe. Il claque de ouf. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je suis méga, méga fan. Ah là là, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Eh ben, je crois qu'on n'a rien d'autre. À mon avis, ça, c'est le petit fascicule. Oh, non, mais il est juste incroyable. Oh, j'ai beaucoup trop hâte de l'installer. Franchement, il est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah là là, franchement, il claque de ouf. Je suis trop, trop, trop contente. Franchement, cette collection, elle est vraiment, vraiment incroyable. J'avais mais vraiment trop hâte. Donc la souris, le clavier et puis le tapis de souris. Et on s'est gardé pour la fin. Non mais pour la fin, franchement, j'ai gardé le meilleur évidemment. Pour la fin, j'ai trop, trop hâte d'ouvrir. Je pense que c'est le paquet que j'attendais le plus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai commandé bien après tout ça. En fait, à la base, je voulais juste commander... Eh bien, la souris, le clavier et le tapis de souris. Et en fait, j'ai changé d'avis à la fin parce que vous savez que j'ai déjà mon casque chat que j'adore. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Eh ben, j'ai trouvé un autre casque. Évidemment, ils ont fait un casque dans cette collection-là. Et eh ben, c'est parti. Allez, dernier paquet. Donc voilà, bon, toujours pareil, packaging incroyable. Oh là là, et en plus... Eh bien, il va être compatible avec Chroma. Donc Chroma, c'est le logiciel en fait de Razer
pour pouvoir eh bien illuminer en fait les casques. Et oui, c'est un casque Razer Sanrio, franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai trop hâte. Depuis le temps, en fait, le casque, j'attendais d'avoir le casque pour pouvoir tout ouvrir parce que je trouvais ça beaucoup plus cool. C'était plus sympa quand même d'ouvrir toute la collection entière que d'ouvrir d'abord et bien juste le clavier et tout ça et d'attendre ensuite pour le casque. C'était vraiment trop dommage. Du coup, et ben voilà, je suis trop contente. En plus, il est arrivé en avance, donc ça c'est cool. Et j'ai galéré parce qu'en fait, et bien c'est une collection, comme je vous l'ai dit tout au début de la vidéo, qui est exclusif pour la Chine. Donc en fait, et ben c'était pas possible de les avoir et c'était pas possible. En fait, on peut pas les voir du tout sur le site de Razer en fait. On les voit pas du tout et du coup et ben je suis trop contente, je suis trop contente. Oh, j'ai trop hâte de voir à quoi il va ressembler, mais à mon avis il va être juste magnifique. Il va être juste magnifique. Oh, oh my god. Oh waouh, oh my god, mais il est juste trop beau quoi. Oh, ok, vous avez les petits personnages juste ici à l'intérieur du casque, on voit pas très bien en fait, mais franchement il est juste magnifique, le petit nœud d'Hello Kitty comme ça, les petites oreilles de chat d'Hello Kitty, franchement il est trop beau, il est juste magnifique, il est tout blanc. Oh, franchement avec la de ouf, je suis trop contente, franchement il est trop beau. Oh, purée, j'ai trop hâte de l'essayer. Et donc vous avez évidemment et ben voilà la marque Razer qui est écrite juste ici, comme d'ailleurs sur mon autre casque. Oh, franchement il claque, je sais pas comment en fait il va s'illuminer, j'ai trop hâte de voir. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors c'est un casque sans fil, mais du coup il y a quand même évidemment hein, l'embout, le câble pour pouvoir le brancher. Et ensuite j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'autre. Alors ah bah non, là il n'y a rien d'autre. Évidemment, comme toujours, le petit fascicule Razer qui explique un peu tout le fonctionnement en fait du casque. Je sais pas s'il va s'illuminer ou pas. Apparemment, il a l'air de s'illuminer parce que je vois qu'on a le petit logo juste ici. À mon avis, hein, oui. Et puis évidemment, toujours les petits stickers Razer. Alors, hop, on va regarder ça. Je pense qu'il doit y avoir... Ah oui, il y a des petits boutons juste ici. Je sais pas, j'ai trop hâte de le brancher pour voir en fait comment il va fonctionner, ce qui fonctionne comme l'autre ou pas, comme mon casque chat. En tout cas, il est beaucoup trop joli. Et ben voilà, hein, toute la collection, elle est claque de ouf, franchement. Toute la collection, elle est magnifique. Et ben n'hésitez pas, qu'est-ce que vous préférez de la collection? Est-ce que vous préférez le clavier? Est-ce que vous préférez le tapis de souris? Ou est-ce que vous préférez la souris? Moi franchement, pff, oh là là, je ne saurais pas. Je pense qu'à mon avis, évidemment, je préfère le casque. Mais la souris, enfin, tout est beau en fait. Tout est vraiment très beau. Tout est hyper bien travaillé. Franchement, vous avez vu les détails sur la souris. Franchement, les détails sont trop jolis. On a vraiment plein de petits dessins sur le dessus. Franchement, ils ont fait vraiment une collection incroyable. Je sais qu'ils font plein de collections comme ça. Je sais qu'avec Razer, il y a eu aussi Pokémon. Il y a eu plein de petites collections comme ça. Mais c'est souvent des exclusivités. Et du coup, eh ben, c'est pas forcément sur la France. Du coup, ils sont pas visibles sur le site de Razer. En tout cas, je vous mettrai le site de Razer, si vous voulez, dans la description de cette vidéo-là. Comme ça, au moins, eh bien, vous pourrez aller voir sur le site s'il y a des petites choses qui vous intéressent. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de collection un petit peu comme ça. Là, c'était vraiment exceptionnel et vraiment voilà, exclusif pour la Chine. Du coup, je vous dis, même sur le site français, ben, c'était pas possible d'y accéder. On ne pouvait même pas les voir, quoi. Enfin voilà quoi. Ok, on se retrouve juste ici. J'avais beaucoup trop envie de vous montrer ce que donnait ce casque chat, le casque Hello Kitty. Franchement, il claque de ouf. Je suis trop fan. C'est pas tout à fait le même que l'autre. En fait, il est vachement plus petit. Les oreilles, évidemment, sont beaucoup plus petites. Je suis trop fan du petit nœud Hello Kitty. Il est tout blanc. Va falloir que je fasse attention pour pas le salir. Et vous avez en fait les insignes sur les côtés Razer. Donc, il s'illumine. C'est violet. Je sais pas si j'ai pas encore essayé de voir si c'était compatible avec Chroma. Mais en tout cas, c'est écrit que oui. Donc, je vais essayer de fouiller. J'ai installé mon clavier et mes souris. Je vous mettrai
eh bien, certainement une vidéo avec mon setup, mon nouveau setup du coup, parce qu'avant mon clavier était tout rose, bah maintenant c'est le clavier, eh bien, Sanrio Razer. Et donc je vous mettrai une vidéo sur mon TikTok, n'hésitez pas à aller checker mon TikTok pour regarder la vidéo, et n'hésitez pas non plus à aller sur mon Instagram, je mettrai sur les deux réseaux, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram. En tout cas, eh ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo unboxing vous a plu, en tout cas moi je suis trop contente, je les attendais vraiment avec grande impatience, toutes ces nouvelles choses pour mon setup, je suis trop contente. Je dis pas que je vais les garder pour toujours parce que je suis très attachée à mon autre clavier et à mon autre souris, mais enfin voilà, et à mon casque aussi évidemment, mais bref, et ben un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, et moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kimichis.